Hey, coucou tout le monde, je suis en plein parking, tout le monde me regarde mais tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est parti en librairie avec la petite Manon qui est devant. Coucou. On va aller acheter des livres, le no buy est terminé, donc on peut craquer. J'ai réussi. Moi c'était du 15 juillet au 15 août, on est le 16 août, donc tout va bien, on peut aller craquer. Il y a 3 jours. Elle, c'était un presque no buy, mais c'est pas mal. Bon allez, on va ranger la caméra avant que tout le monde ne me fixe encore et encore. Manon, tu as déjà craqué? C'est faux? J'aime beaucoup la tranche. D'orage. Pourquoi il y a tant d'orage? Ouais, ça sauve la vie. Eh bien, je ne l'ai pas. Donc, lui, il va venir. On va continuer la saga. Franchement, celui-là, il a l'air en mode un petit peu peur, un petit peu. Tu craques, tu craques.
Ok. Lui, il vient. Lui, à moi. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté 3 livres qui n'étaient pas du tout, ouais, mais qui n'étaient pas du tout dans les achats livresques du mois d'août. C'est ça le pire, je crois. C'est ça le pire. Bref, on va rentrer à la maison, je vous montrerai ça dans l'après-midi, pas tout de suite. Elle en a acheté que 2 et vous les avez vus normalement dans le vlog. Elle a été raisonnable. Elle a été raisonnable. Mais on verra cet après-midi, hein. Tu sais, il y a d'autres librairies cet après-midi. Hein. Non, non, elle a dit non, non. Hein. Vous verrez ça du coup dans son vlog à elle ou dans le mien. Voilà. Allez, on rentre à la maison parce qu'on crève la dalle, c'est 12h50. Bon, je viens clôturer ce vlog pour vous montrer mes 3 achats, faut que j'arrête de me balancer. 3 achats, et qui sont pas du tout dans les achats livresques du mois d'août, on disait. Mais il y en a un, c'est que j'ai raté juste à sortir, parce que je le voulais vraiment. Du coup, j'ai pris celui-ci, La voleuse des toits, c'est écrit par Laure d'Argelos, c'est trop bizarre comme nom. Et c'est publié chez Rivka, c'est en Toc Toc. Il a déjà été publié en plus celui-là. Oui, moi j'ai dans sa première version un peu hésité. C'est bien ce qui me semblait. On va le déblistérer pour voir ce qu'il y a dessous. Mais il est trop beau en vrai. Ah, oh, t'as pas ça. Non. Ah, c'est trop beau. Non, je pense pas. Je suis pas assez beau. Elle a un livre, elle l'a pas ouvert. C'est trop beau. L'objet que vous tenez dans les mains est prohibé. En continuant votre lecture, vous vous exposez à de terribles répercussions. Est-ce que ça te donne envie de le lire, Manon? Oh là là, cette bricasse par contre, c'est écrit petit et tout. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable au jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume, qui est donc Elias Dobré, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt, plongée dans un voyage au-delà du possible. Ils savent y faire, hein? Oh mais c'est trop beau, il y a des parties et les parties pour être séparées sont en noir. Et les deux autres c'est des BD. Donc déjà il y a une suite de BD. Donc ça ne compte pas, on va dire. Est-ce que je trouve des excuses? Totalement. Mais elle va être aussitôt arrivée aussitôt lue en vrai. Du coup c'est Les Sœurs Grémelet, le 4e tome, Le Chamois et la Comète. C'est écrit par Di Gregorio et Barbussi et c'est chez Dupuis. Et j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, je savais pas qu'il y avait un 4e. Mais voilà. Les dessins sont trop beaux à l'intérieur. Faut vite que je clôture, j'ai bientôt plus de batterie, donc on se dépêche, d'accord? Et ensuite, j'ai acheté Brume, c'est un premier tome. Le Réveil du Dragon, c'est écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder, c'est publié chez Glénat et j'aime beaucoup la couverture, c'est ça qui m'a fait craquer, je l'avoue. Prépare nos affaires, Hugo, on part botter les fesses du dragon, mais c'est interdit de sortir du village tellement on peut mourir. Sauf si tu es une sorcière, petit étard, et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya. Voilà, voilà pour les achats, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez une pile de livres ou un livre ouvert, peu importe, ce que vous voulez. Et puis, ben, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!